J'aimerais vous dire comment est né Mouvement Altruiste. Mouvement Altruiste est né d'une histoire de cœur, une histoire d'amour, l'amour de notre planète. Moi, j'aimerais faire tout pour le monde, aider tout le monde et faire que la vie change un peu et que tout le monde soit joyeux. Voilà. Vu comme tout est interconnecté, notre monde peut basculer. Il est vulnérable et la dynamique peut aller vers un effondrement. Chaque acte que l'on fait a des répercussions à l'autre bout de la Terre. Quel choix allons-nous faire justement pour pouvoir soit cultiver du bonheur, soit continuer à cultiver de la souffrance ? Nous avons tous participé à ce qui est en train de se produire et nous pouvons aujourd'hui participer à ce qui se produira demain en décidant de faire enfin partie de la solution et ne plus du problème. Pour dire, si on ne fait rien dans les années 70, hein, si on ne change rien à notre société, on va vers ça et on n'a rien changé en 40 ans. De réfléchir à nos petits choix qui en fin de compte sont des choix énormes et qui ont des conséquences qui sont très importantes sur des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Un mouvement altruiste, on incarne déjà chacun à notre niveau ce que l'on partage, ce que l'on souhaite transmettre. Le mouvement MA, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça a une consonance M, il y a le mot M dedans, alors que ce sont deux lettres, M, et puis A, à l'avenir, voilà. J'ai l'impression que quelque chose s'est mis en marche et en moi, et c'est sûr que ça va aller beaucoup plus loin que ce que je peux imaginer maintenant. Plus on sera nombreux à se poser des questions et avec l'envie d'entreprendre des actions positives, et plus tout ce mouvement prendra forme et changera peut-être la face du monde. Merci en tout cas à vous tous. Nous ne sommes pas ce que nous disons. Nous sommes ce que nous faisons. Pourquoi continuer de vivre comme j'ai toujours fait alors que je peux changer ? Dans une situation extraordinaire, il y a des comportements extraordinaires qui émergent et spontanés. De sentir qu'on est tous ensemble, ça me donne l'envie en fait. Mais en fait, ce que je ressens, c'est que on en a besoin. Nous ne pourrons regarder sans la moindre gêne nos enfants dans les yeux, parce que nous leur léguons ce qu'il y a probablement de plus précieux, le respect de soi, le respect de la vie. Donc, je remercie énormément le mouvement altruiste.